Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important dans le judaïsme. La hemouna. La foi, la croyance, la rencontre. Quelle est la traduction qui définit le mieux ce qu'est la hemouna C'est avec le rabbin Didier Kazabi que nous allons tenter d'y répondre. Bonjour, rabbin Didier Kazabi. Bonjour, bonjour Steve. Première question qu'est-ce que la imuna selon vous alors il va falloir tout d'abord définir le mot imuna que nous avons souvent l'habitude de traduire par la croyance et je voudrais absolument insister pour euh, comprendre le sens de ce mot la croyance nous sommes en france essayons de comprendre les termes utilisés par notre vocabulaire si je vous dis, nous sommes ici dans un écrin magnifique, la grande synagogue de la Victoire, si je vous dis, Steve, le grand rabbin de France est de l'autre côté de la porte, j'en en ai aucune certitude, mais puisque nous sommes à la victoire, peut-être que le grand rabbin de France peut être dans les couloirs de la synagogue. Je crois que le grand rabbin de France y est, mais j'en ai aucune certitude. Eh bien, je voudrais tout simplement prolonger le raisonnement vis-à-vis -vis de notre lien avec Dieu. Si je parle de croyance, je crois en l'existence de Dieu. Cela laisse supposer qu'il y a une incertitude sur le sujet. Je ne suis pas certain que Dieu existe, je crois qu'il existe, et donc je laisse sous-entendre qu'il y a une possibilité dans ma façon de parler, dans ma façon de gérer mon lien, que peut-être oui, mais peut-être non, j'en ai aucune certitude. Et donc il faut sortir de cette traduction de Emuna par le mot croyance. Il n'y a pas de croyance. Il y a en réalité une certitude. Je ne crois pas que Dieu existe. Je sais que Dieu existe. Et la différence, bien évidemment, est majeure, elle est essentielle. Parce que dans le judaïsme, on ne parle pas simplement d'une théorie philosophique, théologique. Qui me ferait comprendre que puisque le monde a été créé, alors il y a nécessairement un créateur de ce monde. Je voudrais plutôt orienter notre réflexion pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas une croyance, mais une certitude que je transformerai en rencontre. Il y a une rencontre entre l'homme et son créateur. Je voudrais vous donner un exemple. Dans les dix commandements, Texte fondateur du judaïsme, ô combien important, puisque à travers les dix commandements, comme vous le savez, toutes les lois du judaïsme sont incorporées. Il y a des allusions, il y a des clins d'œil qui nous font comprendre tous les commandements de la Torah à travers les dix commandements. Le premier des dix commandements Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Maimonide, le Rambam, un de nos grands commentateurs, se pose la question mais où est le commandement ce n'est pas un commandement c'est une présentation je suis l'éternel ton dieu il ne me demande rien normalement si ce texte-là porte le nom de dix commandements eh bien je devrais avoir dix bah, paroles qui viennent m'ordonner de réaliser quelque chose mais dans le premier des dix commandements il n'y a aucun commandement c'est une présentation je suis l'éternel ton dieu qui t'ai fait sortir d'égypte du coup, Maïmonide se pose la question, mais à quoi sert ce premier commandement Il y a un moment où je prends conscience que ce Dieu-là n'est pas simplement un Dieu créateur du monde. Je n'y étais pas. Il n'y a eu aucune rencontre à ce moment-là. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé. On peut avoir 50 théories différentes. Mais un Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte, ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et donc, le premier des dix commandements, c'est, d'après Maïmonide, le commandement de la Hémouna non pas une croyance, mais une certitude, parce que nous l'avons partagée. En vous écoutant, et c'est très intéressant, j'ai l'impression que vous me dites que c'est une intime conviction, en fait. Mais pour quelqu'un, pour qui ça ne l'est pas, pour quelqu'un qui n'est pas rabbin, pour quelqu'un qui n'est pas religieux, pour quelqu'un pour qui ce n'est pas une évidence, comment il peut la mettre en œuvre concrètement cette rencontre. Est-ce qu'il la met en œuvre concrètement parce que tout d'un coup, il s'aperçoit que de ne pas croire et de ne pas avoir la foi lui rend sa vision du monde totalement puérile ou incompréhensible Ou parce que tout d'un coup, il commence à accepter au fur et à mesure de sa vie que tout ce qui lui arrive est un test de foi, donc que tout est pour le bien alors là encore, il n'y aura jamais aucune recette miracle qui nous permettra, en la présentant à un individu, de lui dire, écoute, grâce à cela, tu vas avoir la foi. C'est impossible. C'est une expérience vécue. Vous avez tout à fait raison. Quand je vous disais tout à l'heure une rencontre, c'est une rencontre et un témoignage. Pourquoi un témoignage Parce que finalement, je prends conscience que ma vie a un sens. Ma vie a une profondeur. Je ne suis pas un individu per perdu parmi 8 milliards d'individus, mais que si Dieu est venu me sortir d'Égypte, si Dieu a bien voulu me donner un souffle de vie à un moment il y a tant et tant d'années, c'est que ce souffle de vie-là a un rôle à jouer. Et que Dieu est à mes côtés en permanence, que je le vois, que je ne le vois pas, que j'ai des questions, que j'ai des incompréhensions mais être en mesure de décoder tous les événements de mon existence pour essayer de voir quelle est justement la part et comment est-ce que Dieu intervient à travers chacun des événements de ma vie en retirant totalement la part hasardeuse qu'il pourrait y avoir dans la vie de chacun en disant bon par hasard on s'est rencontrés par hasard arrive, il est arrivé ça par hasard qu'en réalité chaque événement est orienté pour qu'il y ait une direction dans mon existence. Einstein dit une phrase incroyable il dit, euh, Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Donc, euh, hasard ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui est très intéressant pour les gens qui nous regardent, c'est que euh, quand on entend diverses paroles de rabbins, euh, ils nous disent que la Imuna est peut-être des fois, si on écoute le rabbin Pinto par exemple, plus importante que l'étude. Ils nous disent que la Imuna fait que tout d'un coup, on ne peut rien connaître à l'étude, mais pourtant, on est habité par une foi, par le, le sens sacré. Et donc, le sens sacré, il peut arriver par son éducation, comme il peut arriver par ses expériences de vie. Selon vous, comment on travaille concrètement, à un moment dans sa vie, l'idée de se demander si on a la foi ou pas Alors, je pense que pour y répondre, il faut revenir sur un épisode essentiel dans le livre de la Genèse. À la fin du livre de la Genèse, le dernier des patriarches, Yaakov, est sur le point de rendre son dernier souffle. Et il est en Égypte, il convoque toute sa famille, tous ses enfants autour de lui. Imaginez la scène patriarche qui doit livrer son dernier message, l'héritage de la famille. Et nos commentateurs nous expliquent que Yaakov avait l'intention à ce moment-là de révéler à ses enfants le moment de la fin des temps. C'est-à-dire, finalement, le sens de l'histoire et le point qui nous permettra à tous d'aboutir à une sorte de perfection. Finalement, il n'y arrive pas. Il ne peut pas révéler la date de la fin des temps. Et donc, il va transformer cet événement en message qu'il va adresser à chacun de ses enfants. Et le texte nous dit, chers enfants de Yaakov, écoutez, ce qui vous arrivera à la fin des temps. Bien. Ce qui vous arrivera à la fin des temps, le mot qui est utilisé, c'est micré. C'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure en français, par hasard. Un Dieu qui se cache à travers la nature, etc. Par hasard. Et nos commentateurs sont très surpris. Comment ça par hasard Le patriarche est en train de dire à ses enfants que ce qui va arriver dans la vie de chacun jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité leur arrivera par hasard. Mais ce n'est pas une parole de patriarche. Une parole de patriarche, c'est d'être conscient que tout émane de Dieu, que tout est d'une volonté divine, etc. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et lorsque l'on regarde le texte avec un peu plus d'attention, normalement, le mot micré, hasard. Se termine avec la lettre Hé, la cinquième lettre de l'alphabet. Mais dans le texte, dans le texte du Sefer Torah, le mot là-bas est utilisé non pas avec un He, mais avec un Aleph. Et ce n'est pas du tout le même mot, ce n'est pas la même traduction. Ce n'est traduit pas par voilà ce qui arrivera par hasard, mais la traduction littérale, voilà ce qui vous appellera. Comme le mot vaikra, Dieu appela euh, Mosché. Mais ça ne veut rien dire. Les choses qui vont m'appeler, c'est pour nous dire qu'en réalité, lorsqu'il m'arrive un événement, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui m'interpelle. Dieu m'appelle à travers tous les événements de ma vie. Ce n'est pas par hasard qu'il arrive tel ou tel événement. Il y a toujours un message à décoder à travers les événements qui me sont envoyés. C'est un appel, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à moi, soit de l'interpréter, soit de le laisser au niveau d'un événement euh, hasardeux qui se produit dans ma vie. On peut dire qu'un personnage tel que Job a eu une vie semée d'épreuves terribles, les unes après les autres, et pourtant, il est resté fidèle à Dieu, comme on peut dire que certaines vies de tzaddik ce sont des saints. Euh, ont eu des vies comme Rabbi Nachman, comme beaucoup, comme Rabbi Nathan, ont eu des vies tellement violentes et ils sont restés fidèles à Dieu. Comment vous expliquez ça Alors, ce personnage, alors, si on peut euh, y revenir quelques instants pour euh, que chacun puisse comprendre ce qu'il représente. Job est considéré comme étant un, un tzaddik, un homme juste, parfait qui vit dans sa foi de manière exceptionnelle, équilibrée, qui n'impose rien à personne, mais qui est bien dans ses chaussures. Il a une bonne réussite financière, il a une épouse, il a sept garçons et trois filles, une belle famille. Et voilà qu'on veut transformer ce personnage en exemple, pour savoir jusqu'où peut aller la foi. Mais non pas pour l'imposer aux autres, mais pour la supporter soi-même, jusqu'où on peut entretenir notre propre foi sans lâcher, finalement, notre lien avec Dieu. Et voilà, nous, dit, nous disent nos commentateurs et le texte, que le Satan, le Yetzer le mauvais penchant, va se prendre un rendez-vous auprès de Dieu en lui disant. Que penses-tu de cet homme, Job, qui est sur Terre Dieu de dire ah, C'est un homme exceptionnel. Voilà un modèle pour l'humanité. Et cet ange de dire Mais c'est facile, c'est un modèle, mais il n'a pas d'épreuve. Sa confiance en toi est parfaite, mais il est riche, il a une belle famille et il est en bonne santé. C'est plutôt facile, agréable d'avoir une Emouna développée lorsque on est à toutes ces conditions réunies. Je te demande, s'il te plaît, pour tester le niveau de sa foi, je te demande de me laisser la main. Dieu profite de l'occasion et lui dit Écoute, je suis sûr qu'il va tenir. Je te le laisse entre les mains, entre tes mains. Je te demande simplement de ne pas toucher son corps. Épargne son corps. Et voilà que tout d'un coup, on, a raison, on annonce à Job qu'un incendie se répand et que euh, tous ses biens sont brûlés il a tout perdu en un instant sa vie s'effondre en un instant vous allez me dire c'est une histoire biblique mais honnêtement c'est une histoire actuelle bien sûr que vous... la vie d'un individu s'effondre en un instant oui. quel que soit l'événement qui peut arriver malheureusement dans nos sociétés modernes ensuite on vient lui annoncer que tous ses enfants sont morts et là bien évidemment le thème du livre de job qui va commencer maintenant c'est cette fameuse doctrine de la rétribution c'est-à-dire est-ce qu'un homme qui est juste peut avoir des épreuves dans sa vie ou bien un homme qui est juste doit être protégé par dieu et ne connaître aucune épreuve dans son existence c'est ça tout le thème et voilà que job commence à se lamenter bien évidemment mais il a une foi qui est incroyable donc il se dit j'ai confiance en Dieu, je garde mon lien avec Akadosh Baruchou, avec Hachem. Et des amis viennent lui rendre visite, comme à toute personne qui est dans la difficulté. Trois amis, un peu philosophes, qui viennent lui dire, Job, nous sommes bien d'accord que Dieu dirige le monde, bien sûr. Nous sommes bien d'accord qu'il dirige tout dans les moindres détails et qu'il n'y a pas d'injustice, bien sûr. Donc, s'il t'arrive tous ces malheurs, c'est que cela doit être justifié par un... Ton comportement. Tu sembles être un homme juste, mais il semblerait qu'en réalité, Dieu sait que tu ne mérites pas d'être un homme juste et que si tu as tant d'épreuves dans la vie, c'est parce que tu le mérites. Tu mérites tes épreuves. Et donc chacun de ses amis, les trois, vont chacun présenter une thèse philosophique qui vient justifier que Dieu n'est que justice et que s'il y a des épreuves dans une vie, c'est que tu le mérites. Et malgré tout, Job dit :« Mais non, non, je suis un tzaddik, et je peux vous affirmer que même lorsqu'on est un tzaddik, on peut avoir des épreuves, et que cette doctrine de rétribution, elle n'est pas si systématique que cela. Oui, c'est dans un monde idéal, mais il y a des comptes qui ne nous appartiennent pas. Dieu gère le monde comme bon lui semble, malgré les incompréhensions qu'on peut en avoir. » Sa propre épouse, qui entend ça, dit à Job :« Job, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. » Tu es en train de t'attacher à ta foi, mais tu vois bien que Dieu ne t'a pas protégé. Donc ce n'est. Bah ça vaut pas. La, la ré réciprocité de ton, lien, de ton lien que tu entretiens avec Dieu n'est pas à la hauteur. Regarde, toi tu es quelqu'un de bien et puis Dieu est très dur avec toi, sans la moindre raison, laisse tomber. Elle donne cette phrase terrible Maudit Dieu et meurs. Cesse de vivre. Abandonne toutes tes valeurs. Et voilà qu'un quatrième ami arrive. Un homme qui s'appelle Elihu. Traduction littérale, c'est Dieu. Et il vient lui expliquer, et expliquer aussi aux trois amis, qu'effectivement, les choses ne sont pas aussi claires que cela. On peut avoir des épreuves, mais ce n'est pas pour autant que cela remet en cause le lien qui doit exister avec Dieu c'est incroyable parce que on a le sentiment que suivant les êtres humains c'est quelque chose qui peut être inné à notre naissance d'avoir cette foi c'est quelque chose qui peut être transmise par les épreuves de la vie ou alors c'est quelque chose qui ne peut jamais rentrer dans le sens sacré de sa propre vie suivant les êtres humains suivant leurs expériences suivant leurs croyances et euh tout d'un coup, on a le sentiment que cette rencontre, elle se fait aussi avec soi-même. Alors je vais vous poser une question un peu plus personnelle, parce que je pense que c'est quand on est le plus personnel qu'on est le plus universel. En tant qu'homme et aussi en tant que rabbin, comment vous, vous avez vécu cette rencontre Est-ce que dès la plus tendre enfance, ça a été quelque chose d'évident Ou est-ce que la vie et les expériences de vie, on fait que cette philosophie très juive du tout est pour le bien, surtout les épreuves, c'est ça qui construit un être, c'est que tout d'un coup, il n'abandonne jamais, c'est ça qui construit la persévérance d'un homme. Quand on sait par exemple que même dans les lois de la nature, ce qu'on appelle un lion, à 87% des fois, où il sort chassé, il rentre sans rien. Mais on l'appelle un lion parce qu'il a cette persévérance et qu'il n'abandonne jamais. Donc vous, Didier Casabi, en tant qu'être, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé comme un héritage Est-ce que c'est quelque chose qui vous a convaincu dès votre plus jeune âge Est-ce que c'est quelque chose qui, par l'étude, et d'apprendre et de continuer à apprendre s'est transformé en évidence. C'est une question qui est qui est très forte, qui est touchante parce que elle nous renvoie à notre propre existence. Je suis profondément persuadé que la émouna ne peut pas être innée. Elle se développe. Pourquoi Parce que Combien même, tu grandirais avec une sensibilité peut-être un peu plus développée. Elle est tellement mise à l'épreuve tout au long de ta vie. Est-ce que tu peux vraiment la maintenir Est-ce que la Emuna que tu as lorsque tu es un enfant peut être la même Emuna lorsque tu es un adulte, lorsque tu es à la fin de ta vie Ça ne peut pas être inné. Ça ne peut pas non plus être un héritage parce qu'un héritage c'est quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur. La Emuna, je peux assister à des cours sur la Emuna, je peux philosopher sur la Emuna, mais je ne peux pas la recevoir de l'extérieur. Je dois la comprendre en moi-même, la développer petit à petit avec ma propre expérience, mes rites de passage que je peux avoir dans la vie. Et donc effectivement, c'est une question personnelle parce que je suis persuadé qu'en posant la même question à 2, 3, 10, 100 personnes différentes, on aura non seulement des définitions différentes de la Emuna, mais on aura aussi des retours d'expérience qui seront très variables, très différents, très riches. Moi, personnellement, puisque c'est la, la question, comment est-ce que j'ai pu voir ou je vois la main de Dieu, cette rencontre avec Dieu en permanence c'est un thème sur lequel, bien évidemment, j'ai beaucoup réfléchi personnellement. Je trouve que pour moi, ce sont les rencontres de ma vie. Les différentes rencontres, hasardeuses apparemment, mais qui ont finalement façonné l'ensemble de ma personnalité et de mon parcours personnel, professionnel, religieux, familial. Permettez-moi de me révéler un peu plus. Vous parliez tout à l'heure d'héritage. Mon héritage familial est, Dieu merci, extrêmement équilibré. J'ai un grand privilège d'avoir grandi dans ma famille. Mais ce n'est pas une famille particulièrement religieuse. Traditionnaliste, oui. De très belles valeurs, c'est certain. Des valeurs d'éducation aussi. Une pratique. Existantes, mais on va dire pas dans les moindres détails sur le Shabbat, etc. Et donc, comme beaucoup d'enfants, dans mon cas, je n'étais pas dans une école juive. J'étais dans une école laïque, et donc mes parents m'inscrivent au Talmud Torah pour avoir une éducation religieuse. Et c'est là au Talmud Torah de la synagogue de la rue Buffo que euh, par hasard, j'ai rencontré le chazan, l'officiant de la synagogue, qui cherchait euh, de jeunes garçons, de jeunes enfants pour chanter les fameuses prières de la synagogue. Honnêtement, je n'allais jamais à la synagogue pratiquement le Shabbat. Et donc il se dit, euh, il a fait quelques petits tests, il semblerait que ma voix soit pas si mal que ça, en tout cas à l'époque. Et donc il me dit, regarde, viens s'il te plaît le samedi matin à la synagogue, pour chanter à la synagogue. Je lui dis, euh, premièrement, je ne suis pas très à l'aise euh, dans une synagogue, surtout dans une grande synagogue comme la rue de et euh, Je ne savais pas très bien lire, mais j'avais un autre problème euh, bien plus lourd que cela, c'est que le samedi matin, j'étais à l'école. Et il me dit, c'est pas un souci. Lorsque tu termines ta matinée à l'école, on terminait tôt le samedi matin. Eh bien, tu viens directement de l'école et tu arrives à la synagogue. Je dis, mais mon, mon cartable à la synagogue un Shabbat matin. Il m'a dit, c'est pas grave, j'étais tout petit, tout jeune, c'est pas grave. Viens, viens. Cette rencontre-là est la première, en tout cas, qui m'a marqué, qui me permet de construire mon lien avec Dieu dans apparemment quelque chose qui n'est pas cohérent, d'aller à la synagogue et à l'école le samedi matin, ce n'est pas cohérent d'un point de vue intellectuel de la pratique religieuse. Et pourtant, cet homme-là, avec sa vision, me dit, écoute, on va faire en sorte, viens quand même, en l'état, comme tu es. Donc du coup, je me retrouve par hasard, enfant, en train de chanter dans une synagogue. La chose me plaît de plus en plus, il m'apprend de plus en plus. La liturgie hispano-portugaise, qui est extrêmement rare, mais qui est la liturgie de la synagogue de la rue Buffo. Le temps passe, je grandis un petit peu, moi aussi, dans ma pratique religieuse, dans ma découverte du, de, de, de la, du judaïsme et des, de la pratique euh, des, des mitzvot et de la connaissance. Et voilà qu'à force de fréquenter cet officiant et le rabbin de la synagogue de la rue Buffo, donc l'officiant c'est M. Benamara, M. Cohen, le rabbin Amar, je découvre la fonction d'un rabbin, qui est un homme, qui, en tout cas à mes yeux, en tant qu'enfant, un homme qui va vers les autres, qui aide les autres, qui leur parle, qui prend de leurs nouvelles et qui donne un peu de sens à la vie de chacun. C'est quelque chose qui me parle, quelque chose qui me touche. Donc du coup, bah, je fais connaissance avec ce rabbin un peu plus. Par hasard, encore une fois, une rencontre. Et voilà qu'il me conseille. Bah, Peut-être de, de m'investir un peu plus dans la découverte de ce qu'on appelle le rabbinat. Je commence donc l'école rabbinique, avec quelques petits épisodes entre-temps. Je commence l'école rabbinique, et euh, à ce moment-là, le fameux Chazan, qui m'avait formé au tout début, m'apprend à la synagogue de Bordeaux, il cherche un officiant. Et il me dit Tu sais quoi Ça ne peut être que toi. Je dis Pourquoi que moi je ne suis pas encore euh, extrêmement investi. Il me dit Oui, mais à Bordeaux, c'est la même liturgie hispano-portugaise qu'à Buffo. Ça ne peut être que toi, personne ne connaît cette air. ce sont des airs très rares. Et là, nouvelle rencontre. Je rencontre le rabbin de la synagogue de Bordeaux, le, rabbin, le grand rabbin Maman. Encore une fois, ce sont des rencontres hasardeuses. Par hasard, tu as rencontré un homme qui t'a appris la bonne liturgie. Par hasard, tu as découvert un rabbin qui t'a donné le goût d'un lien avec les autres. Par hasard, tu t'es retrouvé à Bordeaux. Par hasard, etc., etc. Toutes nos rencontres sont toutes orientées par Dieu. J'en suis profondément persuadé. Et je veux appuyer cette, ma thèse, ma théorie, sur un passage biblique. Vous vous souvenez lorsque... Joseph a été envoyé pour prendre des, des nouvelles de ses frères. Il se retrouve donc, il ne sait pas trop où ils sont, il se retrouve en chemin, il croise un homme, et l'homme s'aperçoit que Joseph est perdu. Il dit Mais qu'est-ce que tu fais par ici Et il lui dit Je cherche mes frères. Est-ce que tu sais où sont mes frères Bon, on pourrait dire bah Il n'y a rien de plus hasardeux comme rencontre lorsque je suis perdu en chemin de trouver un homme et de lui poser la question ⁇ Je cherche quelqu'un, je cherche une adresse, est-ce que tu peux m'aider ?⁇ Rachi, dans son commentaire sur place, nous dit que l'homme que Yosef a croisé à ce moment-là, c'est un ange qui s'appelle l'ange Gabriel. Honnêtement, on pourrait se dire, mais ce Rachi ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Rachid a besoin de me dire que l'homme que Joseph a croisé à ce moment-là, c'est un ange Dis simplement que c'est un homme, c'est tout, c'est un homme, il a croisé un homme qui lui a donné la bonne direction. Il vient nous dire c'est un ange. Pourquoi Parce que dans notre vie, toute rencontre, elle n'est pas hasardeuse. Tu dois considérer que toute personne que tu rencontres, c'est comme un ange que Dieu a mis sur ton chemin pour te donner une nouvelle orientation. Tu étais perdu, je te fais rencontrer la bonne personne pour que tu prennes la bonne direction. Ce n'est pas par hasard que tu l'as rencontré. Moi, ma foi, elle s'est construite sur cette idée-là. Je considère que toutes mes rencontres. Vous vous occupez de l'émission Ma première rencontre avec l'émission. On m'appelle au téléphone après le décès de Josie. Le rabbin Azoulé gérait les émissions. Un ami du rabbinat, il m'appelle en me disant Est-ce que tu veux bien être mon invité J'étais extrêmement hésitant, vous vous rendez compte, passé à la télé. Et j'y vais pour ma première rencontre. Hasardeuse, par hasard, il m'a appelé il aurait pu appeler 50 autres rabbins. Et voilà comment, bah, par une petite rencontre, encore une fois, une expérience de vie peut être totalement chamboulée, renouvelée une nouvelle orientation dans ta vie. Ce n'est pas par hasard, à mes yeux, ce n'est pas par hasard. C'est un ange qui était dans le corps d'un être humain, bien évidemment. C'est un ange. C'est une volonté de Dieu. Toutes les rencontres que l'on peut avoir dans notre vie, c'est une volonté divine. Et c'est ce qui fait que même quand il y a une rencontre, là vous parlez que de rencontres un peu magiques et vous avez raison parce que je pense que c'est celle qu'il faut retenir, mais que même parfois quelqu'un qui rencontre quelqu'un et qui fait un enfant avec lui ou avec elle, et qu'au bout de six mois, un an, le mariage vacille, cette personne avait besoin de rencontrer ce qu'on peut appeler ou pas un ange, et qu'il avait besoin de passer par là, peut-être pour rencontrer une autre personne avec une autre maturité, pour avoir enfin cette rencontre avec lui-même Ma question Bien sûr. Tout s'enchaîne, c'est du surmesure. Vous savez, on compare la emuna à une paire de chaussures. Pourquoi Et on le dit tous les matins dans les bénédictions du matin. Lorsque l'on remercie Dieu de combler tous mes manques, on dit Shahasali Koltsorki, qui fait pour moi et qui me donne tout ce dont j'ai besoin de sa rire. Et on nous dit de quoi est-ce qu'on parle en particulier On parle d'un Dieu qui me donne des chaussures. Dieu qui me donne des chaussures Mais comment ça C'est ça les biens de ma vie C'est des chaussures C'est ça dont j'ai besoin On dit non, mais il y a une particularité. Une paire de chaussures, c'est pas comme une veste. Une veste, même si elle est un peu trop longue, trop petite, on s'en sort toujours, on se débrouille toujours, ça gêne pas tellement. Une paire de chaussures, soit c'est la bonne pointure, Soit c'est insupportable, soit c'est trop serré, soit c'est trop grand. Tu ne peux pas rester avec une paire de chaussures qui n'est pas avec la bonne pointure. Le reste des vêtements, on peut toujours se débrouiller. La main de Dieu dans ma vie, c'est du sur-mesure. C'est une paire de chaussures. C'est à la pointure qui me correspond au moment où cela arrive dans ma vie. C'est-à-dire que cette première rencontre, elle me correspondait à un certain moment. Ensuite, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai d'une nouvelle rencontre. C'est une suite d'événements, une construction longue. Mais c'est uniquement avec du recul que je peux me dire Mais attends, mais cet homme-là qui me sauve aujourd'hui, si je n'avais pas eu une autre rencontre avant, qui elle-même a eu une autre rencontre avant, eh bien je n'aurais jamais rencontré cette personne qui aujourd'hui me sauve la vie. Ça, à mes yeux, c'est la Emouna. Tout est dirigé dans ma vie. Et même les moindres rencontres que je peux avoir. Alors, vous me parlez de rencontres, vous me parlez de textes bibliques. Est-ce que la rencontre avec le peuple juif a-t-elle été une élection divine C'est un thème qui est extrêmement délicat, vous le savez, parce qu'à travers l'histoire, on a souvent utilisé ce principe d'élection comme étant une justification de euh, tous les massacres, de la haine, de l'antisémitisme euh, que l'on peut avoir contre le peuple d'Israël. Le peuple élu. Vous êtes orgueilleux, vous défendez comme étant euh, avoir eu le privilège d'avoir été choisi par Dieu, etc. Moi, j'aime bien euh, retourner l'expression. En fait, ce n'est pas Dieu qui nous a choisis, mais c'est nous qui avons choisi Dieu. Ça change tout. C'est-à-dire que la foi, elle est ouverte à tout le monde. N'importe quel peuple. Rappelez-vous ce fameux Midrash qui nous dit qu'au moment du don de la Torah, Dieu s'est tourné vers toutes les nations du monde. Qui veut de ma Torah Qui veut de ma Torah on est mais, mais comment ça qui veut de ma Torah Nous on a toujours pensé depuis qu'on est tout petit oh, au Talmud Torah, etc. Dieu nous a choisis, c'est-à-dire qu'il a été voir le peuple d'Israël en disant c'est vous, je vous aime, je vous donne la Torah. Voilà que nos maîtres nous disent mais pas du tout. En réalité, il y avait une approche extrêmement ouverte. Dieu cherche un peuple qui veut bien répondre à certaines aspirations, à certaines sensibilités, qui veut bien créer un lien particulier. Une première nation, une deuxième nation, une troisième nation, personne ne la veut. Personne ne veut de cette Torah. Et un peuple d'Israël qui arrive en disant ⁇ N'a assez Allez, nous on prend. Donc finalement, c'est nous qui avons bien voulu choisir Dieu. Nous avons bien voulu construire notre vie autour de ces valeurs. De Émouna, de croyance, même si apparemment il y a tant de choses qui vont m'éloigner de ce lien avec la spiritualité, parce que les épreuves, etc., tout ce qu'on a, on a évoqué, malgré tout, le peuple d'Israël a décidé, c'est une volonté de la part de l'humanité finalement, de la part de l'homme, de choisir son créateur. Je choisis le système auquel je veux croire. C'est ça la définition de la liberté. La liberté parce que c'est complètement utopique. On est bien d'accord, ça n'existe pas, la liberté absolue. On est toujours l'esclave de quelque chose. L'esclave du Pharaon, l'esclave de la société, l'esclave de la mode, l'esclave de l'argent, l'esclave de nos pulsions. La liberté n'existe pas. C'est complètement utopique. Ah bon, alors, mais c'est quoi, alors, finalement, la, la définition moderne de la liberté La véritable définition de la liberté c'est de choisir son maître. Ce n'est pas mes pulsions qui me maîtrisent, parce que là, je n'ai pas choisi mon maître, elles prennent le dessus. Mais je choisis de m'inscrire dans une certaine philosophie de vie, une certaine réflexion. Je choisis d'accepter Dieu comme étant mon maître. C'est ça la véritable liberté. Donc, oui, cette notion de, de peuple élu, il faut complètement la, la, la chambouler, la, la questionner. Et ce n'est certainement pas une marque d'orgueil que nous devons développer à travers cela, mais c'est aussi une responsabilité, c'est-à-dire que c'est une façon de vivre. Il faut dans la emuna, si on va au bout de notre raisonnement, la emuna, c'est aussi adopter le, le mode de vie qui correspond à notre foi. Je ne peux pas avoir une foi et un comportement qui est complètement dissocié de cette foi. Je dois adopter le comportement qui correspond. À ma foi, c'est aussi ça, la, une la, la Emuna, ça. Une cohérence entre ses actes et ses pensées. On a beaucoup parlé de rencontres, de rencontres avec la vie, de rencontres avec soi, de rencontres avec un autre, et une expérience qui peut nous mener à penser que Dieu nous a fait ces rencontres-là dans du sur-mesure. Est-ce euh, que pour vous, il y a un moment où vous vous dites Comment on peut garder Saemuna face à un fonctionnement d'un monde qui nous semble incompréhensible Comment on peut faire pour que chaque jour, on puisse se dire, mais c'est incohérent ce que j'entends, ce que je vois, ce qui se passe. Comment garder le cap, même quand on n'est pas religieux Je pense qu'un des, Un des défauts principaux. De l'humanité, c'est de vouloir tout maîtriser et tout comprendre. De Dieu, c'est une histoire depuis la création du monde. Hein. Dieu crée Adam et Ève, il les place au milieu du jardin d'Éden en leur disant Vous êtes le roi du monde. Vous êtes le roi du monde. Vous avez ce qu'on appelle en hébreu un sérel, un intellect. Cet intellect vous permet. D'orienter le monde tel que vous le souhaitez. Vous pouvez tout maîtriser. Et effectivement, avec le temps qui passe, l'humain, l'être humain, a l'impression qu'il doit absolument tout comprendre, tout gérer, tout maîtriser. Et que dès que nous avons un événement qui échappe à notre contrôle, on est totalement perdu. On l'a vu avec, bien évidemment, le Covid, dès qu'on n'était plus en mesure de maîtriser les choses, on ne comprend plus le système, alors on est complètement perdu. On s'effondre. La société s'effondre sur elle-même lorsqu'elle a l'impression, effectivement, de ne plus maîtriser les choses. La Emouna, elle est mise à rude épreuve lorsque le monde qui nous entoure est complètement fou. Que ce soit d'un point de vue global, d'un point de vue personnel, je ne comprends pas les choses, je n'arrive pas à, les, à, à donner du sens aux choses, à les justifier, c'est incompréhensible. Pourquoi Dieu fait comme ça Pourquoi Dieu fait cela etc. C'est vrai. Mais vous savez, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Moïse, Moshe, le prophète par excellence, celui dont on ne peut pas remettre en cause son degré de hémouna. Eh bien, au moment du don de la Torah, il pose une question à Dieu. Il lui dit Har enina et kevodecha. Montre-moi, je t'en prie, ta splendeur. Nos commentateurs essayent de comprendre quelle est la question. Qu'est-ce que Moshe veut que Dieu lui montre Montrer ma splendeur, mais ça ne veut rien dire. Montrer ma splendeur. Nos commentateurs d'expliquer Écoute, Dieu, je te demande une chose. Tu es sur le point de me donner la Torah, c'est très bien. Mais je te demande une chose, est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de ce monde, dans le sens de pourquoi est-ce que des tsadikim, des gens justes, peuvent souffrir et pourquoi est-ce que des mécréants peuvent avoir une vie douce C'est la question théologique de Moshe Rabbeinu. Au moment où il reçoit la Torah. Vous, vous rendez compte C'est la question d'une vie, c'est notre question aujourd'hui, la Emouna. Mais attends, mais ce monde, je ne comprends rien. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui s'effondrent. Explique-moi les choses, Dieu, je t'en prie, explique-moi les choses. Et Dieu donne cette réponse Loïr-ani adam vachay. Un homme ne peut pas voir ma splendeur et rester vivant. C'est-à-dire. Tu es un homme, tu es un intellect, tu es euh, parfait. Mais il n'empêche, reste à ta place. Tu ne peux pas tout comprendre, tu ne peux pas tout maîtriser. Personne ne peut percevoir le fonctionnement de ce monde dans sa globalité parce qu'il faut prendre un recul que tu ne peux pas avoir en tant qu'être humain. Mais moi, Dieu, j'ai ce recul sur l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que là où toi tu vas voir... Une séquence d'un événement, moi j'ai l'événement dans sa globalité. Toi, tu vas voir un homme qui se fait martyriser, à qui on va couper une jambe, tu vas dire Mais c'est une barbarie Mais attends, calme-toi On est à l'hôpital, on est en train de faire une opération pour sauver un être humain. Ah, tu m'expliques l'image complète Quand j'ai l'image complète, je peux effectivement comprendre le fonctionnement de ce monde. Mais lorsque j'ai une vision parcellaire d'un événement, et elle ne peut être que parcellaire, parce que je suis un être humain et je ne suis pas Dieu, alors effectivement, je ne comprends pas les choses. Donc, Moshe essaie d'avoir la réponse philosophique, théologique sur le fonctionnement de ce monde. Mais Dieu lui dit Écoute, tu ne peux pas l'avoir. Et malgré tout, je te demande de ne pas abandonner ton lien avec moi. Et confiance, la emuna, c'est de la confiance. Avoir confiance en Dieu, être persuadé. Que tout ce qui m'arrive n'est pas hasardeux, mais que c'est tout est dirigé, orienté, et quelque part peut-être, la ce c'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. C'est-à-dire, je suis persuadé que tout ce qu'il a pu mettre en place dans ma vie, comme promesse qu'il a pu aussi donner au patriarche, etc. Je crois sa parole, je crois Dieu. Je ne crois pas en un Dieu, mais je crois Dieu. Je suis persuadé que tout tout dans les moindres détails est calculé et m'amène, gamzoul et tova, m'amène quelque chose de positif. Mais il me faut du recul, il me faut du temps. Des fois une vie entière, des fois mon dernier souffle, pour voir en quoi finalement, rétroactivement, je donne du sens. Et malheureusement des fois, même au moment du dernier souffle, je n'aurais peut-être pas compris. Mais vous savez quoi Peut-être que mes enfants un jour comprendront, voire même mes petits enfants. C'est une histoire d'humanité. C'est pas l'histoire d'une vie. C'est l'humanité entière qui est ici en enjeu dans l'histoire de la Emouna. Merci, Rabbin Kazabi. Merci de vous être livré avec autant d'intimité, avec autant de cœur. C'est un sujet tellement immense. Donc, euh, j'espère en tout cas que que ce témoignage, que ces explications de texte et que cette intime conviction, qui est celle du rabbin Kazabi, vous a donné envie de vous poser ces questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à très bientôt. Prenez soin de vous.